C'est une revue de littérature et de réflexion qui rassemble des écrivains vraiment de toute la francophonie, mais pas seulement. Il y a aussi une grande dimension de la traduction. La traduction, c'est essentiel, bien évidemment. La traduction, la littérature, disons, francophone sans la traduction ne serait pas ce qu'elle est. Et donc, il y a des textes en bilingue, en arabe, en grec, en espagnol, en wolof, et surtout pour la poésie. Et c'est une revue qui prend en compte tous les enjeux aujourd'hui, cruciaux, sociopolitiques, mais aussi esthétiques, littéraires. Et on est dans un vis-à-vis. C'est un contre-feu, cette revue. C'est-à-dire qu'on n'entend que des discours pessimistes et un peu affolés. Un artiste, un écrivain, il doit affronter. Et puis il y a l'optimisme en soi n'est pas... Quelqu'un disait que Roland Topor, mon ami Roland Topor, disait que un optimiste, c'est un pessimiste qui n'est pas au courant. Non, moi je pense qu'un optimiste, c'est une revue optimiste en cela qu'elle cherche à contribuer au vaste champ littéraire. C'est un acte, c'est une volonté actuelle sur tous les... un peu partout. Il y a des gens de Syrie, il y a des Syriens, voilà, on est dans un contexte un petit peu avec un esprit de guerre civile autour de nous, et on refuse cela. Hein. Par l'art, par la littérature, par la pensée, on refuse cette position réduite de conflit identitariste, ça ne nous concerne pas. Les identités, c'est un leurre. Il y a simplement des artistes, des écrivains, des gens. Et on travaille avec cette revue à penser autrement le monde. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu.